Je vais copier mon masque d'opacité, donc clic droit dessus, copie. Je vais aller dans la dans cette texture et je vais le mettre dans l'opacité. Juste en copie, pas en instance. Là, je mets la couleur que je veux. Je vais mettre un bleu. L'afficher. Voilà, donc je vais paramétrer un peu mon opacité pour que ça soit plus joli. Donc là, je vais mettre 0, 0,8 pour avoir ces effets un peu de craquelure. La taille, je vais la mettre à 0,1. Je laisse en régular. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, je vais créer mon système de particules. Donc touche 6 au clavier. Particules, je vais les faire partir de 9 jusqu'à 100. Je vais mettre allez, on va mettre 20 000 particules. Après, je vais mettre un position object. Je vais piquer ma teapot et là toutes les particules spawn sur la théière. Alors très important, ici on va aller faire spawner les particules par rapport en fait à la texture animée qu'on vient de créer pour qu'elle vienne commence à spawner à partir de d'ici. Donc là je coche density by material grayscale use. Je mets numéro 2 et je coche ici. Voilà. Après, on va mettre des shapes pour pouvoir les afficher en fait au rendu. On va mettre 0, allez, 0,05. Là, l'affichage, on va mettre des dots. Si je fais un rendu, c'est bon. Après, on va mettre là une force qu'on va créer. Bon, pour l'instant, ça va. On recréera le reste après. Donc, je